C'est en 1868 que commence l'histoire des missionnaires d'Afrique. Leur fondateur, Charles Lavigerie, est né en France en 1825. Après quelques années comme évêque de Nancy, il se sent appelé par Dieu à la vie missionnaire. Il accepte le siège d'Alger. C'est à toi que je viens maintenant, ô ma chère Afrique. Je t'avais tout sacrifié lorsque, poussé par une force qui était visiblement celle de Dieu, j'ai tout quitté pour me vouer à ton service. À son arrivée à Alger, le nouvel évêque doit faire face à une situation dramatique. La famine et une épidémie de choléra sévissent dans le pays. C'est pour l'assistance aux orphelins de la famine et pour l'apostolat auprès des musulmans que Lavigerie fonde les missionnaires d'Afrique. Le père Charmettan est le premier missionnaire à prononcer son serment le 1er octobre 1872. Très vite, ils seront appelés les pères blancs. À cause de la gandoura qu'ils portent, le vêtement de la population au sein de laquelle ils vivent. Mais Lavigerie est un visionnaire, un passionné. Pour lui, Alger n'est qu'une porte ouverte sur un immense continent auquel il s'agit d'apporter la bonne nouvelle. Après plusieurs échecs pour essayer d'atteindre Tombouctou, les premières caravanes partent pour l'Afrique centrale en mars 1878. Ce sont des apôtres, des passionnés de l'homme et de Dieu que le cardinal envoie au cœur de l'Afrique.
apôtres en priorité auprès des non-chrétiens, les missionnaires d'Afrique répondent ainsi à l'appel de Jésus. « Allez, de toutes les nations faites des disciples, annoncez-leur, le règne de Dieu est tout proche. » Dans la rencontre du monde africain, les missionnaires gardent toujours à l'esprit ce cri du cœur du cardinal Lavigerie. Rien de ce qui touche à l'homme ne m'est étranger. Apôtre de la lutte contre l'esclavage, le cardinal Lavigerie transmet à ses missionnaires sa passion pour l'humanité. Je suis homme. L'injustice envers d'autres hommes révolte mon cœur. Je suis homme. Et toute forme d'oppression contre un grand nombre de mes semblables ne m'inspire que de l'horreur. Aujourd'hui, les missionnaires d'Afrique sont engagés auprès des plus pauvres, des enfants de la rue, des malades du sida, des ethnies minoritaires, des jeunes sans emploi, des migrants, des réfugiés. Partout, ils rivalisent d'ardeur pour rendre à l'homme toute sa dignité. La lutte pour la promotion de la justice et de la paix est un des éléments essentiels de leur charisme. En 1867, alors qu'il vient d'arriver à Alger, Lavigerie écrit sa première lettre pastorale. Il s'adresse à la population musulmane d'Algérie. Je réclame le privilège de vous aimer comme mes fils. Il est deux choses que nous ne cesserons de faire et qui ne peuvent ni vous inquiéter ni vous détourner de nous. La première, c'est de vous aimer et de vous le prouver si nous le pouvons, en vous faisant du bien. La seconde, c'est de prier pour vous. Depuis, les missionnaires d'Afrique n'ont cessé d'approfondir ce dialogue avec le monde musulman. C'est là un des éléments essentiels de leur charisme.
dialogue se vit aussi avec les fidèles de la religion traditionnelle africaine et des nouveaux mouvements religieux. Patiemment, les missionnaires d'Afrique essayent de mieux comprendre la culture et la foi de ceux à qui ils annoncent Jésus-Christ. Pour annoncer Jésus-Christ au monde africain et répondre à la mission du 150e anniversaire, 370 candidats de 26 nationalités se préparent aujourd'hui à prendre la relève. Motivés par un véritable amour pour Dieu et pour l'humanité, ces candidats sont prêts à quitter famille et pays pour aller annoncer la bonne nouvelle du Christ au monde africain. Les trois premières années de formation se déroulent de préférence dans le pays d'origine des candidats. L'année spirituelle, quant à elle, se vit en communauté internationale, de même que le stage de 2 ans et les 3 à 4 années de théologie. Ces maisons de formation internationale sont toutes situées en Afrique ou à Jérusalem. Pour la mission, les candidats se préparent par étapes à l'engagement définitif.
C'est à l'année spirituelle qu'ils sont officiellement accueillis dans la société. Ils reçoivent l'habit père blanc, la gandoura et le rosaire, et prononcent solennellement une déclaration dans laquelle ils affirment leur intention de poursuivre leur formation missionnaire. Au cours du stage, ils renouvellent cette déclaration d'intention. Un an avant la fin des études, les candidats, futurs frères et prêtres, s'engagent par le serment. En présence de mes frères assemblés, je fais serment sur les évangiles de me consacrer désormais et jusqu'à la mort à la mission de l'Église en Afrique, selon les constitutions de la Société des missionnaires d'Afrique, placée sous la protection de Marie Immaculée, reine de l'Afrique. En conséquence, je promets et jure au supérieur général de la société fidélité et obéissance pour tout ce qui concerne la pratique de la charité apostolique et de la vie commune. En outre, je promets et jure d'observer le célibat à cause du royaume. Ceux qui se destinent à la prêtrise sont ordonnés diacres après le serment et prêtres quelques mois plus tard, devant la communauté chrétienne dont ils sont issus et qui les envoie en mission. Thank you.